Yo tout le monde, c'est Gunshot de la FMS Team. Aujourd'hui, je suis de retour pour faire l'épisode 2 de BFH. Donc, allons-y. C'est parti. Alors, les suspects, c'est Rosado, Javier et Volker Gary. Ok. Bon, on va voir comment voir l'affaire. Ok. Donc là, c'est ça, apparemment. Ce truc est un peu bas de gamme pour Tyson. C'est la marque de Tyson. C'est sa coque. Sa coque, ok, d'accord. Bon, ben, je crois que c'est tous les trucs machin. Ok. Voilà, conclusion. Le type qui a inondé les rues de Miami avec voilà. Shot, cette saloperie de cocaïne liquide. Notre nouvel ami, Tyson Latchford. Les gens aiment le hotshot parce qu'il fait planer. Sans mauvais trip derrière. Ok. Je peux traîner Tyson devant un tribunal avec cette preuve. À condition qu'il vive assez longtemps. Ok, d'accord. Alors, on fait petit retour. Équipement tactique. Voyons si je peux mettre des trucs dessus. Ouais, c'est vrai que je suis plus CZ. Ok, d'accord, j'ai juste les couleurs de base. Cool. J'aime bien noir. On va regarder le fusil à pompe, hein. Le truc de police, ouais, c'est pas mal. Quoi, j'aime. On va essayer celle-là. Hop. Et c'est parti, lançons la mission. Oh, fais chier. Ouais, compris. Encore deux corps repêchés dans la baie de Manatee. Youpi. On va les utiliser, comme bruit. Mendoza, j'aimerais vous voir une minute. Oui, chef. Oh, chaud devant messieurs dames. Jeune inspecteur pressé. Guy. L'inspecteur Daou reprend du service aujourd'hui, contre l'avis de son médecin, mais avec mon accord. Ça va? J'ai arrêté le baseball, mais ça va bien. Mendoza, la coke que Stoddard et vous avez saisie vient de Colombie, en passant par la mer. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Tout passe par le Mexique désormais. Et Tyson Latchford, qu'est-ce qu'il en pense? Monsieur Latchford, contre toute attente, a un excellent représentant juridique. Ah bon? Venez. Voici les Ray, surnommé Stingray. Grossiste du cartel. Hier, il a appelé mon bureau. Il dit détenir des informations à propos de la guerre, de la drogue qui déchire Miami en ce moment. Alors, il faut faire venir Léo. Mais en toute discrétion. Le seul à être au courant de tout ça, c'est moi. On ne sera pas plus en sécurité ici qu'on ne le serait dans la rue. Est-ce que c'est clair? Ok. Oui, chef. Ça va être les gangs. Alors, à vous de jouer. Let's go. Allons rater tous ces caracailles de la banlieue de Miami. Waouh, ça claque. Je crois que Dawes a raison pour cette histoire de rythme. Je crois que si Dawes est inquiet, on devrait l'être aussi. Si on veut. Ouais, si on veut, elle s'est fait renverser de part en part par une balle. Non! Je pige pas. Tu piges pas? Sérieux? Bon, d'accord, on se crève au boulot et on est payé de la merde. Ouais, mais à part ça, c'est la vie de la chat. Voilà notre homme. Ok, tu restes près de la caisse et tu me couvres. Ok, d'accord. Près de la caisse, on couvre. Coucou. Reste près de la voiture. Des gorilles, Léo? C'est pas malin, ça. C'est qui, lui? Je l'ai trouvé qui allait au zoo. Même les espèces en voie de disparition. Non, mais c'est quoi, cette gonzesse? J'avais demandé Dawes. Et Dawes nous envoie. Le prochain coup de fil, ça a intérêt à être Dawes. Pour me dire où et quand on va pouvoir discuter comme on était censé le faire. Je viens pas servir de larbin à des cons de flics pourris. Il me faut une vraie protection. Je vais rater le match. On y va. T'as qu'à me laisser ça. Doucement, ma petite dame. Hé, il paraît que t'as serré Tyson Latchford. Il y avait du passif entre vous deux. Quel genre de personne ferait ça?
Garde tes discours pour Dawes. Stinger, qu'est-ce qu'on fait? Va dire à ton boss que je lui servais tout sur un plateau et que t'as tout foutu en l'air. File-moi le sac, Léo. Ou je descends ce type. Léo, mon dieu. What? Mais d'où il sort cela? Toi, tordu pas. What? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, canaille. Bon, on y retourne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que je me suis fait écraser ou. Ok, je me suis fait écraser, d'accord. Ok. C'est qui ces mecs, bordel? Des gens qui savent que Léo a parlé. Ok, d'accord. Est-ce que je peux prendre une. J'aurais bien pris cette moto, bref. Ah putain, il faut marcher, ah j'aime pas marcher. Il y a du monde dans le coin. T'as aucune chance de t'en tirer, Léo! C'est quoi ce merde? Les mains en l'air! Bien en vue! Toi et tes filles, vous êtes morts, Léo! M'occupe de celui-là, nous. Je veux parler à Rémi. Toujours pas assez vite. Bon, ça servirait à rien. Ne laissez pas entrer. Ne le laissez pas filer. Allez-y, putain. Léo, attends. Descendez les plis. Agent sous feu. Dis-moi l'escalier. Ah, c'est toi. Putain de merde. Wow. Cadeau pour toi. Ouf. J'ai morflé la main. Maman mia. Go 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 go. Je suis là pour t'aider. Fermé. Ah, ça marche pas. Wesh. Attends. Ah ouais. Oh, il fait pas. Ok, c'est par là. Léo, putain, arrête de courir! Madame, très bien. Mec, y'en a d'autres qui rappellent! Ouais, je vois Kai. Un truc qui a sonné, mais c'est où? Bien tenté, Léo. Ok. Allez, Léo, c'est fini. Rémi veut juste discuter, Léo. Léo, arrête-toi tout de suite. On se calme, mon pote. Ouais, on va se calmer, ouais. Hop. Quand je te rends prisonnier, hop là. Police, plus un geste. Ok, ok. Toi, je t'arrête. Hop. On passait juste te prendre. On passait juste te prendre, ouais. Ne bouge plus. On fait que très. Hop là, un prisonnier, un.
Putain, il y a encore du monde qui se ramène. On peut pas passer par là. Bouge plus! Police, il se passe quoi? Ça marche. Ça marche. Ok, ça marche, les gars. J'adore les bandits dans ce jeu. En fait, tu leur pointes ton flingue devant eux, ils font ok, ça marche, ouais. Mais ouais, t'es en état d'arrestation, ouais, mais tu peux garder ton silence. Merde. Ça avance le machin, c'est chiant ça. Voilà, y'a que ça. Ouais, comment y'a que ça. Il en a l'air. Cet hôtel doit avoir une salle de surveillance. Je vais le chercher avec les caméras. Ok. Tiens-moi au jus. Il a filé tout droit. Merci. ouais. Je suis bien d'accord, mais comment j'ouvre la porte là? Y'a pas les clés. Fais du temps. Enfermez-vous et baissez-vous. Kai, il arrive de la piscine. Avis au personnel et aux clients de l'Elmore Plaza. Une alerte de sécurité est en cours. Si vous êtes dans votre chambre, verrouillez la porte et n'approchez pas les fenêtres. Si vous êtes dans un lieu public, quittez immédiatement l'ensemble de l'hôtel. Pas de panique. Je vais taper un civil. Qui est là-bas? Connard qui tire dans tous les sens. Et maintenant. Ok, d'accord.
débarrassez-vous de lui. Bordel, ok, allez mourir, allez, merde, voilà. Non, je voudrais bien vous arrêter, mais là... Vous avez vraiment le temps d'aller faire... Je m'en occupe. Je l'ai repéré, Nick. Il est au premier, au-dessus du hall. Ok, d'accord. Je déplace. Il est dans un des bureaux. Oh, merde. Nick, il y a d'autres types qui se dirigent vers le hall. Monte à l'étage, shit. Mais évite de te faire voir. Ouais, je ferai gaffe. Monte à l'étage, c'est plutôt descendre, là, non? Intérêt à bouger. 50 types qui appellent les flics. Putain, on est dans la merde. Les flics sont pas encore là. Jérémy veut Léo, on lui amène Léo. Oh les gars, il y a un petit point arrêté. Arrête-toi tout de suite. Ok, ok. Hé, qu'est-ce que... Personne en poussant. Allez voir du côté des ascenseurs. Police, on bouge c'est plus bon. Stop. Ouais, ouais, pas de problème. Léo, allez, ça vient. Merde. Je jette un espèce. J'espère appréhender. Oh non. Oh, shit. Agent à terre, à l'aide. Oui, j'ai tout seul. Ah oui. P90. Ah, mon nom préféré. Oh shit. Bon, on va essayer de faire un peu plus furtif alors. J'avais pas remarqué qu'il y avait d'autres mecs à côté, c'était chaud. Bon. Dispersez-vous et trouvez Léo. Rémi, on est dans la merde. Un flic a déjà descendu la moitié des hommes et on sait même pas où il est. Ni Léo, ni rien. Je vais faire de l'autre. Bouge pas de là. Quoi? Ok, bon, ces deux sur le côté, c'est fait. Ah, y'a un mec qui descend. What? Guys, c'est de la folie. La moitié des tueurs de Miami sont là, et ils hésitent pas à tirer dans le tas. Je dois encore être dans le coin. Je vais vérifier. Trouvez ce type. Il a pas pu aller bien loin. Fouillez partout.
continuer à chercher. Viens un peu là-bas. Ouvre l'œil, un de nos hommes est mort. Ah, désolé. Repliez-vous, allez! Un des nôtres a été tué. Vérifiez qu'il n'y a personne ici. Quelqu'un a tué un de nos hommes. Ne bouge plus! Ouais, ouais, pas de problème. C'est bien. Good. Good. Voilà, gentil petit. Hop là, on s'est arrêté. Trouvez ce type, il a pas pu aller bien loin. Ah putain, il est dehors. Ouvre l'œil, un de nos hommes est mort. Visez un palier. Ok, d'accord. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Kai. Coche. Kai. Où est-ce que t'es? Je monte au bureau dont tu me parlais, Kai. Ok, c'est bon qu'il faut y aller. Jamais mouchardé. T'es une vraie pipelette. Hey. Pur d'entre mots au sujet de consigne. Arrête. Chose. Oh pétard. Ah désolé mais là. Mais putain, on a la moitié de la racaille de Miami qui nous tire dessus et toi tu dérouilles Léo. Tu joues à quoi là? Ça va poser problème. Y a plein de trafiquants crevés dans cet hôtel donc on a déjà un problème sur les bras. Léo a besoin de protection. Alors on peut y aller. Il est pas en état okay. De marcher, tu sais. Alors aide-le toi, putain. Hé hey, c'est toi qui es dans cet état, pas moi. Allez voir dans les bureaux à l'étage. Merde. Quand on parle allez, du loup. On y va. Je vous suis. Je vais où vous voulez. Ah, il plus quoi. Léo, c'est qui ce type? Tu l'interrogeras plus tard, Mentosa. On se casse, allez. Hé hey, inspecteur. Prends-le. Ok. Capitaine Dawes, Léo est avec nous. On va tenter de rejoindre la porte de devant. J'arrive en hélico. Je vais aller voir. Gardez-le en vie et en liberté. Allez, allez. Hé, hey, vous avez vérifié par là. Déployez-vous. On a d'autres flics. Descends, type. Bouge pas. On y va. C'est la merde, Léo. J'ai entendu tirer. Quelqu'un nous aligne. Oui. Il y a quelqu'un. Attends. Faut le retrouver. Déployez-vous. Hey, oh, allez, les gars. Ah, ça part en fouillis là. Putain, c'est en what? Ok, cherche comme ça. Je cherche un P90. Gardez-le. Voilà. Bon, je reviens avec... Ouh, ça pue. Ça pue, ça pue. Par ici. Ce type est taré. Ouais, t'as vu? Tasé, voilà. Ouais. C'est qui lui? Ah, il faut. Ok.
sais conduire ce truc? Léo est à bord, fonce! Quand je pense que t'as dit que ma dernière mission était un vrai merdier... Allez, roule! Ça, c'est Léo, où est-ce qu'on conduit? Ok, désolé pour les arbres. On arrive par la route surélevée, on est en tout terrain. Pas moyen de nous rater. Okay. Ok, ça marche. Il est en rogne. Moi, je suis en rogne. Bon, on va où alors? Il nous retrouve de l'autre côté du pont. Oh! Wow. C'est Dose. Ok, d'accord. Quoi, dans un hélicoptère? Plus d'importance que tu l'imagines. Suis l'hélico. Non, là, il y a quelques petits bugs, je sais pas où, blagues, je sais pas qui. Enfin, un peu d'affichage, apparemment. Je sais pas. Allez, Mendoza! Fais le tour! Ah non, ça passe. Fonce dans le tas! Non, pas trop quand même. Oups, je crois que j'ai retrouvé sur quelque chose. Tout le monde va bien? Ne t'arrête pas! Wouhou! Je vais baigner. Eh merde, accélère en fond! Ah voilà Dose! Ouf. Inspecteur, vous savez, j'apprends deux choses. D'une, vous êtes des as de l'impro, de deux, vous êtes pas foutu de rester discret. Ces enfoirés savaient où se trouvait Léo, chef. L'un de vous deux veut bien me raconter ce qui lui est arrivé. Et il a raté une marche. Ça se fait pas mal dans le camion, capitaine. Léo n'avait pas mis sa ceinture. Ça doit être ça. Allez, relevez-le. Léo était déçu de ne pas vous rencontrer en personne, chef. Mais j'ai l'impression qu'il faut le mettre en détention préventive. C'est ce que je conseillerais aussi. Et vous, inspecteur, hein? Vous êtes sûr que Léo a été blessé? Alors, il s'est passé que, en fait, j'ai eu un petit bug. Donc, en gros, notre cher commissaire a demandé à notre cher personnage qu'on contrôle qu'il s'est bien cassé la gueule dans le transport. Voilà, pour ses blessures, là. Donc voilà, sur ça, après, c'est bien fini. Donc après voilà, l'épisode 2 en fait ils ont été arrêtés, voilà, hop, voilà, ils ont été recherchés, hop, ça c'est fini. Ah, mais j'ai oublié 2 indices, je sais pas où ils étaient, bref. Donc là c'est parti pour la prochaine mission, sera après. Donc je dis à plus tard pour une autre mission, enfin l'émission, l'épisode 3. Donc voilà, bah ouais, c'était Gunshot de la Film Steam.